On aurait une photo de groupe au journal. Oh, voilà, ici, place de la Nation à Paris, mouvement Les Foulards Rouges, pour manifester contre les blocages de la vie économique de la France, les blocages des ronds-points, retrouver une démocratie, voilà, et pour la République. Voilà. Est-ce que vous descendez chaque dimanche comme le gilet jaune dans un... Pour l'instant, j'en sais rien. Il y en aura d'autres peut-être. Alors, je suis républicaine française, mais je suis d'origine étrangère et je voudrais qu'on respecte ce pays qui nous a accueillis, qui nous a donné tous les droits et qui voit cette mobilisation dérivée vers la violence. Alors, je ne sais pas qui est à l'origine, mais en tout cas, moi je respecte les gilets jaunes, mais il faut aussi que les gilets jaunes empêchent ces casseurs de détruire ce pays. Evet, Doktor Önger Anadolu Kültür Merkezi olarak sizi kırmızı fularlarla görüyoruz. Evet, niçin buradasınız? Burada olmamızın sebebi bilhassa yapılan şiddete karşıyız ve Fransa'da Cumhuriyeti korumak için buradayız. Bu yakıp yıkmayla olmaz, konuşmayla olur, diyalogla olur. Maalesef bu diyalog açılmasına rağmen yakıp yıkılma, yaralanma iki taraftan da gerek polis kuvvetleri olsun, gerek sarı cepkenliler olsun. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Pourquoi manifestation aujourd'hui? Parce que je pense que les gens sont en majorité pour le mouvement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'économie, ils ne comprennent pas comment on fait fonctionner un pays et qu'il faut absolument qu'on laisse M. Macron travailler. Il y a un an et demi qu'il est au pouvoir, en un an et demi on ne dresse pas un pays de 65 millions d'habitants. Ça n'existe pas, il y a 50 ans que la France est mal gouvernée et en un an et demi on ne peut pas dresser un pays. Donc on le laisse travailler en paix. Voilà. Tu filmes pas, hein, j'espère. Si, filme. Ah. Parce qu'au début, il faut que j'envoie une photo, moi je comprenais pas. Ouais, moi. Je peux vous faire des poses différentes. Thank you.
Thank you.